Sale temps pour l'économie zimbabwéenne. Le taux d'inflation annuel a atteint un niveau record, plus de 191% en juin. Conséquence, les produits de base ont flambé, selon des statistiques officielles publiées samedi. Pour décourager les emprunts spéculatifs qui minent la monnaie locale, la Banque centrale du Zimbabwe prévoit de doubler le taux d'intérêt de référence, qui est déjà le plus élevé au monde, pour le porter à 190. Ce projet fait partie des mesures que le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa devrait dévoiler pour juguler l'inflation et la flambée des prix des produits de base. Frappée par plus de 20 ans de sanctions internationales, l'économie du Zimbabwe est plongée dans une crise profonde. Les mauvais salaires et la détérioration des services publics suscitent fréquemment des grèves. Samedi, les salariés du secteur médical ont décidé d'arrêter temporairement la grève, entamée lundi pour des raisons humanitaires.